grand et toute l'équipe de production de l'émission. On dit quoi? Voilà, on va dire beaucoup de choses à Balkissou Bintou qui nous regarde à la maison. J'espère qu'elle se porte bien. Et cette émission, on va aussi bel et bien la dédier à la mère de Junior qui nous regarde quelque part du côté de Douala avec beaucoup de plaisir même d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. De ce côté, mesdames et messieurs, nous allons bel et bien commencer ce programme de la plus belle des manières. Et les numéros s'affichent au bas de votre petit écran. Numéros par lesquels vous pouvez participer à ce programme, c'est-à-dire nous envoyer aussi vos SMS en ce qui concerne le problème que nous allons mettre sur la table tout à l'heure. C'est vrai que j'ai un tout petit peu de soucis à vous remettre ça, mais à la maison, c'est plus facile de lire. Permettez que je reçoive sur ce plateau Chris Larabie. Chris, bonsoir. Bonsoir Francky, bonsoir également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Bonsoir Laure. Bonsoir. On espère qu'avec tous les téléspectateurs et le panel, on va faire une très belle émission ce soir. Je suis convaincu qu'elle sera belle l'émission. Votre journée, ça va? Vous avez eu quelques couacs, quelque chose de bien pour vous ce jour? Bon, on va dire court-ci, court-ça, hein, puisque les couacs, les clics, ça ne manque pas. On essaie juste de se mettre au-dessus et d'avancer. D'accord. Ouais. Se mettre au-dessus et d'avancer. Surtout qu'on vous regarde avec beaucoup d'attention dans le Grand Noun. Je vais tout simplement dire peut-être à tout le grand département du Noun, pour Sane, pour Ken de Ngwanungu, pour Mountain. Merci de confiance et pour gagner NG Télévision. Ah, d'accord. Ça, vous aimez bien votre patois. À la fin, on dit quoi? On j'aime bien, ce sont mes beaux. Voilà. Permettez que je reçoive avec beaucoup d'attention celle-là qui me titille de temps en temps. Et je sais répondre dans tous les cas. J'ai du répondant en face. Dans le pâcheur pour ses flèches. Oui, ça c'est très important. Je voudrais dire bonsoir à Kevin. Vous avez une très belle coiffure, madame. Oh, merci bien. Ça me va de votre cœur. Oui, vous savez que j'ai un faible pour les rastas. Et puis, malheureusement, ce ne sont pas des rastas. On appelle ça.
Quelque part, cherche-toi ailleurs ou bien prends un temps et questionne-toi ce que tu veux en réalité. D'accord. Je voudrais vous poser la question avant de sortir. Est-ce que au même moment, selon ce que Chris a dit tout à l'heure, est-ce que le fait de l'avoir aimé d'un amour pur, parce que du déroulé de l'histoire de Simplice, on comprend qu'il est parti d'une demoiselle qui pleurait derrière chez lui parce qu'elle n'avait pas de toit. Il a tendu au moins son épaule. Il a transformé cette dame. Ben, est-ce qu'au nom de l'amour, au moins pour ça, ça ne peut pas changer quand même quelque chose et remettre le vrai amour sur la table pour Simplice? Non, je l'ai dit tantôt, c'est vrai, Simplice l'aime vraiment. Par amour, il peut accepter. Vous pouvez accepter. Mais la réalité est que dans cet amour-là, c'est toi la perdante. C'est Simplice qui perd, parce que le perdant. Parce qu'il aime plus. En réalité, c'est Simplice qui aime plus dans le foyer. D'accord. Alors, Chris, en amour, il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre, quand même. Bon, c'est vrai, mais ce n'est pas une science exacte. Il y a des personnes qui s'aiment au même titre. Hein. Là, il faut le dire. Ce sont les hypocrites qui aiment de façon partielle. Ce que l'or dit, que la femme va, Simplice va venir supplier la femme et tout. Non, c'est la femme ici qui est en état de faiblesse. Non, c'est elle qui vient maintenant demander. Simplice ne pourra plus courir derrière cette fille. C'est la fille maintenant. C'est pas qu'elle dit que Simplice accepte là. Tu n'as plus d'efforts à faire. Tu as fait tes efforts, tout le monde a vu. La main qui demande est toujours en dessous de celle qui donne. Je n'ai pas dit qu'elle devrait supplier. Non, tu as dit ceci là, n'est-ce pas? Que la fille va toujours courir derrière la fille. Il va toujours supplier la fille. Oui, parce qu'il l'aime. Elle aime un peu plus. Dans la réalité, Simplice aime un peu plus. Mais la femme, elle, l'amour de cette femme est intéressé. Okay. Elle voudrait le cadre où reposer sa tête. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Cette fille, n'est-ce pas, même si elle n'aimait pas Simplice, elle était dans un état critique. Simplice l'a prise et l'a hébergée, fait tout, même si elle est venue embrasser son. Bon, après, elle est partie de voir son gars par amour. Et un amour qui a été blessé. Elle va dire, mais tiens. Doublement blessé. Si elle a une conscience, si elle a une tête, elle va dire, mais tiens, voilà quelqu'un qui m'a donné un toit, qui m'a nourri, qui m'a lavé, qui m'a fait accoucher, voilà, tout. Comment est-ce que je peux toujours m'accrocher ça? Bêta, je m'en vais lui demander pardon. S'il m'accepte, non. Je m'agenouille, je reste tranquille. Elle va rester par reconnaissance. C'est ce que je disais au début. C'est ce que je disais au début que non. Il faut que Simplice l'accepte, Simplice accorde son pardon parce que non. Cette fille, elle est tombée dans l'eau chaude. Elle est dans l'eau froide. Elle est tombée dans l'eau chaude. Maintenant, elle va revenir. Dans l'eau froide. Si Simplice, attendez, ne me coupez pas. Mais cependant, la droiture là, c'est pas reconnaissant parce que ce n'est pas par amour. Attendez. C'est parce que quelqu'un m'a gardé. Mais oui, c'est toujours par occasion qu'on prend quelque chose. Vous croyez que c'est quoi? Il faut toujours l'erreur d'une personne pour que tu profites. D'accord. Ok, merci beaucoup. Maintenant, elles ont pris mon temps de parler. Maintenant, si Simplice a aimé cette fille avec le temps. Comme vous dites qu'elle n'aime pas Simplice, cette fille aussi peut aimer Simplice avec le temps. Et ce n'est pas mal, comme il disait que elle va dire que non, habille-toi comme ça, habille-toi. Ce n'est pas mauvais de dire à ton gars que habille-toi comme ça. Elle ne peut pas être idiote pour dire à ton gars que mon ex là, non, habille-toi comme lui. Vous mettez le. Non, elle ne peut pas. Elle parle en tant que femme. Merci beaucoup, Chris. Non, c'est là. Kevin, on t'écoute. Permettez qu'on écoute. Merci beaucoup. J'aime pas du poids de la chemise. Comme ton ancien gars. Ok, Kevin, on t'écoute. Merci beaucoup. Je disais tantôt, je parle ici en tant que femme. Je parle mon expérience en tant que femme. Oui, ton expérience. J'aime l'expérience. Oui, je sais. Je ne doute pas de votre expérience. Vous avez des Alors, je veux d'abord commencer par où il a chuté en parlant de l'habillement. Elles sont très nombreuses qui ne se cachent pas. Si vous voudrez voir.
du moment où il récupère votre femme et l'épouse légalement, l'enfant devient l'enfant du ménage. Je sais moi, il épouse la femme. Non, permettez qu'elle l'aille. Permettez qu'elle l'aille. Interpelle au même moment sur l'application lorsqu'on fait un travail. Hein. Malheureusement, des personnes sont versées dans des domaines où ils ne maîtrisent ni le A ni le B et on a ces conséquences-là. Du coup, franchement, il faudrait être prudent, mais surtout confier aux professionnels les tâches qu'ils doivent exécuter et surtout que la conscience professionnelle puisse parler à un moment donné, que les gens puissent faire leur travail avec beaucoup, mais alors beaucoup d'abnégation.
pour leur propre sécurité. Et parce que vous savez, nous sommes en Afrique, hein, il y a des gens qui vont vous dire sa maison là, c'était même la maison de où son agent est monté, son agent est descendu, quelqu'un est mort sur votre chantier, alors que vous vous battez depuis votre tendre enfance, ou encore au moment où vous avez commencé à chercher les 5 francs, il n'y avait personne derrière vous. Le temps bien Joël Digdem qui a fait le choix de la chanson que vous allez regarder tout à l'heure. J'espère que vous allez apprécier. Merci beaucoup à la réalisation, Kevin. Vous aimez bien la chanson, forcément. Forcément, oui.
Sanja. Voilà. La langue Douala. Et puis, ça marche. Sanja Dibato. Mmh. Voilà. Alors, l'Arabie. Ouais. Dilué dans le modernisme. D'accord. Voilà. Ok, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je pense que les gardiens de la tradition font ce qu'il faut pour qu'on reste focus sur ce qui nous reste. Mais maintenant, donner un temps soit peu, je suis d'accord avec vous, mais donner encore un temps soit peu, un peu du modernisme dans nos rythmes, c'est pas mauvais. Les anglophones avec le jam, ils en ont fait un tout petit peu. C'est un peu la mode actuellement. Peut-être ça va. Mal les populations qui ne cessent bien évidemment d'être carrément Emmanuel Nganoundjou Messi a sur sa table pas mal de dossiers qu'il traite et ces dossiers donc doivent être véritablement traités et relayés à qui de droit avant la tenue de la CAN 2021 qui se tiendra en janvier au Cameroun. Émergence pour parler du domaine des forêts, notamment de l'exploitation du bois, comme nous le savons, à partir de 2023 sera un peu reformé et même devenu formel. Le Cameroun veut donc relever environ 15% sur les droits de sortie des grumes. Donc à chaque sortie des grumes, 15% seront donc prélevés et versés aux caisses de l'État pour être redéployés, n'est-ce pas, pour le bien-être des populations. Au niveau de la fonction publique, c'est une hausse salariale qui se veut, bien évidemment, les pouvoirs publics et toutes les forces gouvernementales projettent, c'est un projet, une hausse de la masse salariale.
C'est avec Émergence. Et puis, Économie pour sortir parle du phénomène le plus flambant, la crypto-monnaie. Le Cameroun veut donc réguler ce phénomène qui, malheureusement, fait plus de victimes à l'heure que de bienheureux, même s'il ne cesse d'être vanté. Et le secteur voudrait donc être régulé, bien évidemment, pour épargner et que les uns et les autres ne puissent être escroqués d'une manière ou d'une autre. Et en dernier ressort, les petites et moyennes entreprises. Et c'est le marché de la spéculation, parce que beaucoup ne savent pas exactement ce que c'est, comment ça se passe. Alors, il faut éduquer, il faut faire des sciences, mais seulement, il faut faire attention. Dans tous les cas, nous sommes habitués à notre argent. Dès qu'on voit, on te donne, on te remet. Si c'est la tontine, tu donnes le jour-là, on te remet encore. Voilà. On ne veut pas les choses qui sont dans l'air. Tu envoies l'argent après, c'est ça. Voilà. Non, ça devient trop compliqué. Alors, au même moment, en termes d'information, il faudra le dire. Vous l'avez précisé que le ministre d'État à la Défense est chargé. Non, le ministre d'État à la Présidence chargé de la Défense, Betsy Assomo-Joseph. Actuellement, aux dernières nouvelles, il est déjà en République centrafricaine déjà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. C'était l'arrêt informationnel, mesdames et messieurs. Alors, nous allons bel et bien passer à l'avant-dernière rubrique qui est exactement baptisée arrêt sur image. Regardez cette image et nous revenons commencer juste derrière. Voilà, c'est vrai que nous l'avons découvert nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et le buzz, on appelle ça le buzz désormais au Cameroun. Chacun fait son buzz. Alors, Chris Larabi, vous semblez mieux maîtriser ça, peut-être que nous autres. Ouais, bon, je ne maîtrise pas quand même trop parce que j'ai vu ces images et j'ai eu quand même l'information à ce sujet en filigrane qui sait plus que c'est un gars qui travaille dans une bonne boîte. Mm-hmm. Oui, il a été licencié. Et du coup, bon, ça l'a traumatisé. Ça l'a tellement traumatisé au point où. Oui, il s'est mis maintenant à faire des choses. Au point où, même que le président a même lancé même un appel pour qu'on essaye de voir comment on peut faire pour le recadrer encore. D'accord. Ok. Ça, oui. D'accord. Alors, Kevin. c'est difficile lorsqu'on s'en tient à la version de Chris parce que perdre son boulot et puis tomber dans la dépression, devenir ce qu'on a malheureusement ces dernières semaines eu à voir sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on ne souhaite pas dans tous les cas. Mais moi, lorsque j'ai regardé pour les premières vidéos que j'ai vues de ce monsieur, c'est vrai que je n'ai pas vu ça sous l'angle d'une personne qui a perdu. Oui, voilà, moi, sur le même moment, je n'ai pas vu dans ce sens-là.
Parce bon, c'est pas qu'il est dévêtu, qu'il a perdu ses sens, c'est-à-dire la dépression. Ouais, pardon, la dépression le pousse à faire des choses. Pas qu'il a perdu ses sens. Oui. Donc la dépression lui pousse à faire des choses comme ça. D'accord. Ok. Moi, j'ai plutôt vu ça sur l'angle du buzz. Parce que désormais, sur le net, on fait n'importe quoi, n'importe comment. Et il faut à tout prix, l'objectif, c'est de se remplir le plus grand nombre d'auditoires possible, de personnes qui vous suivent. Donc du coup, on est prêt à passer par tous les chemins, quels qu'ils soient, même si ce sont les chemins les plus inimaginables, on passe par là. Et du coup, c'est dans ce sens que j'ai vu les grimaces de ce monsieur, parce que ce sont des grimaces. Ouais, voilà. Alors, vous avez vu aussi le monsieur, vous l'avez découvert? Justement, sur les réseaux sociaux, et je me suis dit certainement, c'était un comédien.